Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis venu vous parler d'une histoire de croissance. Alain a bien mis la table sur ce qui se passe au Québec. Maintenant, on va passer à ce qui se passe à Victoriaville. Mais le message clé, s'il y a un message clé, c'est croissance. Puis on est là à votre service. On est là au service vraiment du secteur agricole, puis des intervenants qui travaillent aussi pour vous comme producteurs agricoles. Vous allez entendre une histoire assez époustouflante, assez essoufflante aussi pour toute l'équipe, mais c'est vraiment quelque chose de grandiose qui se passe, là, tant pour puis qu'on voit peu, là, tant en agriculture, là, des histoires de croissance comme ça, il y en a peu en agriculture, il y en a peu dans le secteur public, puis malheureusement, il y en a aussi peu en région, mais là, on voit une super belle histoire de quelque chose qui se passe à Victoriaville. Mais retenez aussi que ça ne se passe pas juste à Victoriaville, c'est partout au Québec. Donc, comme M. Beaupré disait, l'Institut national d'agriculture biologique, on l'a créé cet été. Ça visait à regrouper des activités qui étaient déjà présentes au cégep de Victoriaville, c'est-à-dire le CETAB, le CISA et le département d'agriculture, là, donc où on enseigne le DEC. On fait aussi de la formation continue. Tout ça est regroupé au sein de l'INAB. Anciennement, c'est des entités qui avaient leur vie séparée. Il y avait très peu de concertation. Vous savez ce que c'est, des silos, là? Ben, malheureusement, c'était comme ça. Puis là, avec la croissance, avec le déménagement dans notre... Je vais le montrer tout de suite, quoi que vous l'avez. Oui, c'est ça. Avec le déménagement dans ce super bel édifice, est venue, la nécessité de regrouper tout ça sous une même direction. Direction voulant dire des humains, mais aussi surtout une direction, une orientation, de façon à ce qu'on travaille tous ensemble pour le développement du secteur. J'aime toujours commencer par le haut niveau, puis ensuite on voit qu'est-ce que ça dit sur le terrain. Qu'est-ce que ça vient changer, l'INAB, ou qu'est-ce que ça vient accentuer? C'est vraiment ces quatre éléments-là. Premièrement, on a une thématique sectorielle qui est très mobilisatrice. On parle d'agriculture biologique, mais on n'est pas en agriculture biologique parce que c'est cool ou parce que c'est à la mode. Okay? Nos experts là, qui sont au cégep de Victoriaville, il y en a plusieurs qui sont là depuis plus de 20 ans. Ils étaient là avant, puis ils travaillaient un peu partout au Québec. Puis parce que le cégep de Victoriaville est demeuré dans le bio, alors que tout le monde fermait parce que c'était trop difficile, bien, tous ces experts-là qui sont mobiles, bien, ils sont ramassés au cégep de Victoriaville. Fait que ça, sans dire qu'il n'y en a pas ailleurs, là, il y en a quand même une super belle concentration à Victo. Et là, maintenant, ils ont la chance de travailler sur des infrastructures de qualité. On a une gouvernance qui est de plus en plus forte, de plus en plus agile. Puis on a une capacité d'influencer de plus en plus grande, puis on veut s'en servir. On ne fera pas du lobby, mais on veut prendre un leadership dans le développement du secteur biologique au Québec par l'expertise, puis en travaillant avec des partenaires. Donc ça m'amène à mon deuxième point, que ce soit nos enseignants, nos chercheurs, nos collaborations avec des universités, tout le transfert technologique qu'on fait, le nombre de collaborations qu'on a, ben, c'est comme ça qu'on fait une différence. C'est surprenant là, de regarder les chiffres. À l'automne dernier, là, je m'inclus là-dedans puisque je ne viens pas de Victoriaville, on est 6 personnes qui avons été attirées par le projet qui ne venions pas du centre du Québec. Ou il y en a 2 qui venaient du centre du Québec mais qui travaillaient ailleurs parce qu'il n'y avait pas de job dans le coin, 2 vraiment top dans le bio au Québec, sont venus à Victo parce que pour participer à ce cercle vertueux, si on peut dire qu'on a démarré et qu'on continue de poursuivre. Il y en a un nouveau encore, 2 nouveaux qui viennent de se joindre là, en janvier, si bien que là, on va dépasser 70 là, dès cette année, 70 personnes qui travaillent pour le développement du bio et le développement de l'agriculture au Québec. Ensuite, on parle souvent d'un parcours fluide. Un parcours fluide, c'est quoi? La meilleure image qu'on peut avoir, c'est tout on voit tout le commerce en ligne là, qui se développe. Toutes les entreprises, que ce soit Sobeys, Walmart, dans le secteur alimentaire comme ailleurs, comme que ce soit Mountain Equipment Co-op ou tous les commerces qui ont une présence en ligne, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on veut que ce soit fluide. On veut que l'expérience en ligne sur les différents appareils, que ce soit notre ordinateur, notre téléphone portable, etc., et l'expérience en magasin, on veut que ce soit la même, puis on veut que les commerces veulent de plus en plus être de plus en plus proches de nous comme consommateurs, à toutes les étapes de notre choix de consommation puis de notre développement. Nous, c'est un petit peu cette vision-là qu'on apporte à l'INAB.
on le sait, la formation initiale est toujours aussi importante, mais au rythme où vont les choses, les producteurs agricoles, puis le secteur, on a besoin de se renouveler de plus en plus rapidement. Les changements sont trop profonds et trop rapides. Or, c'est cette vision-là qu'on apporte avec le cégep de Victoriaville, avec la formation continue créditée et non créditée. On va être là pour le secteur, puis c'est pas juste au centre du Québec, c'est partout au Québec. Et ça, ben, on va voir de plus en plus de développement dans ce champ-là. Puis la finalité de tout ça, c'est pas un trip d'intervenants, là, le cégep de Victo, puis nos centres de recherche, c'est vraiment pour les producteurs agricoles. Je l'ai dit, c'est important de le répéter. On est connecté avec le secteur agricole, on veut continuer de l'être. Puis, c'est ça. Ça explique ma présence aujourd'hui et notre présence dans pas mal d'événements. Des fois, c'est nous qui accueillons, là, comme 20-21 février, ça va être le colloque bio pour tous chez nous. Vous êtes les bienvenus. L'INAB, la construction qu'on a inaugurée le 1er janvier, le 1er juin dernier, c'est un bâtiment de 17 millions, un partenariat avec un paquet de monde. C'est le plus gros développement du cégep de Victoriaville depuis sa création il y a 50 ans. On fête notre 50e anniversaire cette année. C'est le plus gros développement du cégep de Victoriaville. Et c'est pour le bio, c'est pour l'agriculture, c'est vraiment exceptionnel. Et le projet, là, de l'idée, de la conception à la réalisation, à l'inauguration, en fait, là, c'est moins de 2 ans. Ça donne chaud dans le dos, ces affaires-là. Puis on gère encore toutes sortes de petits pépins là, en lien avec la construction rapide, super belle, mais rapide de l'infrastructure. J'ai parlé des partenaires. Quelques chiffres. Là, c'est une terre bio. Avant, on avait une ferme école sur l'autre site qu'on gère. C'est-à-dire, vous vous rappelez, là, on a 2 sites. Ce site-là, le site où il y a l'INAB, là, de 55 hectares, certifié biologique, ça fait quand même quelques années qu'on gère le verger du boisé des Frères du Sacré-Cœur, qui est un autre à Arthabasca, pour ceux qui connaissent le coin. C'est un verger biologique qu'on a renouvelé complètement. C'était des vieux pommiers qu'il y avait là. On les a pas mal tous coupés pour recommencer en neuf avec dans un système de culture assez innovateur, c'est-à-dire en tige dressée. Là, je suis agronome, mais là, ça m'éloigne un petit peu, mais c'est un nouveau port de tige, finalement, qui est très innovateur. On a des poiriers aussi, on a quand même pas mal d'activités fruitières à cet endroit-là. Avant, notre ferme-école était là, et là, l'achat des 55 hectares nous a permis d'agrandir notre ferme-école, mais aussi d'installer des parcelles de recherche. Anciennement, on travaillait que chez des producteurs. Maintenant, on a nos propres infrastructures de recherche. On a, on a nos bâtiments, on a des nouvelles serres aussi, donc très, très intéressant avec des équipements. Là, c'est vraiment high-tech. Souvent, les gens qui viennent visiter, ils disent « Attends, il n'y a pas un producteur qui se lance dans le bio qui peut se payer des serres comme ça. » Nous, ce qu'on dit, puis c'est vrai, ce qu'on dit souvent, c'est, regardez, pour apprendre à conduire, souvent les écoles de conduite, ils achètent une Mustang décapotable. Il n'y a pas un jeune qui va s'acheter une Mustang décapotable. Mais en apprend à chauffer une Mustang décapotable, il est capable de chauffer aussi une Jetta 96 manuelle. Ça va? Ça fait que c'est un petit peu ça. Fait que chez nous, on a nos serres qui sont spectaculaires. C'est les autres qu'on prend en photo. Mais on expose nos étudiants à des serres high-tech, mid-tech, low-tech et no-tech aussi. Ça fait que c'est vraiment... nos profs, ils font le tour du monde, là, ils visitent des fermes-écoles, puis c'est vraiment un modèle unique qu'on a mis en place au fil du temps. C'est pas moi, là, en passant, c'est tous les artisans qui sont derrière le projet. Et toute la ferme-école est bâtie pour les étudiants. C'est pas une ferme qui opère, qui reçoit des étudiants une fois de temps en temps, puis c'est vraiment l'inverse. Toute la gestion de la ferme est faite par les étudiants, pour les étudiants, puis c'est vraiment, on les expose à toutes sortes de modèles de culture, de façon à ce qu'ils puissent être compétents dans le type d'entreprise qu'ils veulent avoir plus tard. Et, on a des équipements, là, on pourra en parler longtemps, mais essentiellement, c'est la vue à haut niveau. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans l'enseignement. On a un deck, OK, avec 4 profils, production animale et production légumière biologique qu'on fait depuis des années. Vous allez voir la croissance qu'on est en train de vivre. Maintenant, l'année passée, on a parti le profil en production fruitière biologique, qui a un bel engouement. Et
dès septembre, là, incessamment, là, on va ouvrir les inscriptions pour le nouveau DEC en agriculture urbaine. On a décidé de s'investir en agriculture urbaine. C'est un défi parce qu'il se fait très peu de bio en agriculture urbaine, malgré tout ce qui se dit. Là. Souvent, on va amalgamer les deux concepts, mais dans les faits, il s'en fait très peu. Or, on voulait apporter notre contribution, notre expertise du bio en agriculture urbaine pour que, entre guillemets, ça parte du bon bord. Puis que le secteur livre un petit peu sa promesse. Encore une fois, c'est un secteur en très forte croissance, puis on est présent. On était déjà présent avec l'AEC. Une AEC, en passant, c'est comme un DEC, mais sans les cours là, de français, éducation physique, anglais, maths, philo, etc. Or, on offrait déjà l'AEC en agriculture urbaine. Et maintenant, c'est un DEC, vraiment, proprement dit. J'ai très hâte de voir l'engouement pour ce nouveau DEC-là. À ça s'ajoute la formation continue, j'en ai parlé, l'AEC, l'attestation d'études collégiales. On a deux profils, gestion d'entreprise agricole, qui est très, très, très populaire. Nos cohortes sont pleines à chaque année. Et comme j'ai parlé, là, le développement et gestion d'un programme en agriculture urbaine. En passant, le programme d'AEC est surtout à portée sociale. C'est bizarre, là, on a une expertise en agriculture, mais quand on a monté notre AEC, on a vraiment monté le cours, OK, la raison est simple, il n'y a pas vraiment de rationalité économique ni agronomique à produire des aliments en ville. OK, c'est l'agriculture urbaine, c'est surtout pour des raisons d'animation sociale, de réinsertion sociale, pour travailler avec des gens en situation de maladie mentale ou qui veulent s'intégrer dans le quartier, que ce soit pour travailler avec des immigrants, etc. On ne se cache pas derrière le fait que ce soit de l'agriculture pour faire que de l'agriculture avec nos étudiants. On fait beaucoup, beaucoup de social dans l'AEC. Et finalement, on donne un paquet de cours là, continuellement. C'est souvent sur AgriRéseau. Si vous nous suivez, là, vous êtes pas mal au courant, mais on fait beaucoup, beaucoup de formations sur comment lire les sols, sur le désherbage mécanique, etc. Et de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que ça attire l'attention non pas des producteurs biologiques ou ceux qui veulent faire la transition, mais aussi du secteur agricole en entier. Il y a des élus de l'UPA qui nous courent après, puis vous les connaissez sûrement, là, ils nous courent après pour nous dire à quel point ils nous trouvent utiles. Ils ne sont pas certifiés bio, ils ne considèrent pas la transition, mais ils disent wow, on prend des meilleures décisions parce qu'on suit vos formations, on comprend mieux nos sols, on comprend mieux l'évolution de nos champs, on comprend mieux nos serres, etc. C'est vraiment très intéressant pour nous qui sommes là, comme j'ai dit, pour les bonnes raisons, c'est-à-dire améliorer la durabilité des systèmes alimentaires au Québec et même au-delà. Je parlais des inscriptions. Là, c'est cette courbe-là qui a forcé la direction du cégep il y a 2 ans et demi à entamer toutes les recherches de financement puis la construction du bâtiment que vous avez vu tout à l'heure. On atteignait notre capacité. On était en train de devoir refuser des étudiants. Et là, on a dit non, on les accepte, on trouvera une façon on lui trouvera de la place à un moment donné, ce qu'on a fait. Puis là, ben, on vise, là, on va dépasser 200 l'année prochaine probablement, là, 200 étudiants. Encore une fois, c'est vraiment le fun à parler. C'est une histoire de croissance en agriculture, c'est une histoire de croissance en région, c'est une histoire de croissance dans la fonction publique. C'est des chiffres qui font saliver même le secteur privé. Là. C'est vraiment exceptionnel. J'ai parlé quand même pas mal du modèle de ferme-école. Nos étudiants, on les expose à vraiment plein de réalités, puis ça fait qu'ils sont plus compétents. Là, j'ai parlé de réalité terrain, mais évidemment, on parle de mise en marché, on parle de gestion de l'entreprise, qui est super important. Tout ça, c'est très, très, très important. On a un bâtiment d'élevage, là, le développement n'arrête pas, là, on a un bâtiment d'élevage qui on est en train de faire les plans puis le financement. On va l'installer cet été, il va être en action à la fin 2019. Bâtiment d'élevage là, pour petits animaux, ce ne sera pas une étable, là, mais c'est vraiment pour faire des petits lots d'élevage. Le but, c'est vraiment d'être pertinent pour le milieu, de répondre à l'intérêt des étudiants puis de répondre aux besoins futurs du secteur, toujours. Recherche. CETAB, très bien connu, le CISA un petit peu moins, ça va me faire plaisir de vous en parler un petit peu plus. Là. Le CETAB, essentiellement, là, ce qu'on fait, c'est très technique au CETAB. Okay? On a des parcelles de recherche, on fait par exemple du développement de la sélection de variétés de carottes dans un réseau
chez nous, mais aussi d'un paquet de producteurs agricoles pour aider à sélectionner des meilleures variétés de carottes pour une meilleure conservation en régie biologique. Okay? Ça, c'est un exemple, c'est super concret, là. Après ça, on fait du développement de variétés de blé, de maïs à pollinisation ouverte. On fait toutes sortes de recherches sur la lutte aux mauvaises herbes, la lutte aux insectes. On a même parti, là, le rêve fou, là, ultime de chercheurs dans le bio, là, c'est d'avoir des essais long terme. On a même des parcelles d'essais long terme qui vont démontrer la valeur du biologique sur les gaz à effet de serre, tant l'adaptation que la mitigation des changements climatiques, puis un paquet d'autres paramètres qui vont démontrer la valeur des systèmes biologiques sur toutes sortes de critères environnementaux. Ça, c'est pour le CETAB. On est présent, là. En passant, là, on travaille avec les majors, là, les plus gros producteurs, que ce soit de légumes de transformation, de fruits bio. On travaille avec les plus gros comme avec les plus petits. Okay? À toutes les étapes, là, on est présent là, pour aider à répondre à tous les grands enjeux des entreprises. Ensuite, le CISA. Le CISA, c'est un petit peu plus nouveau, là. Au Québec, il y a quelques CCCT comme ça, qu'on appelle en pratique novatrice. Souvent, c'est des centres de recherche qui ont de la misère. Le CISA va super bien. En gros, ce qu'on fait en innovation sociale, c'est qu'on prend des vieux problèmes pour lesquels les solutions techniques sont connues, mais qui prennent pas d'ampleur. Le meilleur exemple que j'ai, c'est les plastiques agricoles. Ça fait des années qu'on sait comment les recycler, mais la filière ne se développe pas. Fait que là, on travaille avec les producteurs. C'est un des nombreux projets de recherche qu'on a. On travaille avec les producteurs pour comprendre pourquoi la récolte ne se fait pas, le ramassage ne se fait pas adéquatement, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour dynamiser cette filière-là de façon à avoir un meilleur impact positif sur l'environnement. On n'est pas dans le bio, mais on amène le secteur agricole plus loin. On fait la même chose avec la santé psychologique des producteurs agricoles. Ça a été un de nos premiers projets au CISA. On est à la source du méga-projet maintenant qui est partout au Québec, l'artère. C'est toutes sortes de choses comme ça. Avec le CISA, on travaille aussi beaucoup sur la mise en marché. La mise en marché, il y a plein de niveaux, là, mais je vais vous présenter un petit peu notre vision. C'est que pour nous, on pense que la mise en marché locale peut se faire et doit se faire à grande échelle partout au Québec. On embarque sur un paquet de projets de recherche pour que ça se passe. Okay? On va commencer chez nous, puis on veut avoir un impact partout au Québec. Alain présentait des beaux chiffres de croissance sur la consommation de fruits et légumes. Or, quand on parle sur le terrain, il y a beaucoup de producteurs de fruits et légumes bio qui ont vraiment de la misère, qui des fois regrettent leur choix de s'être lancés en production. Pour nous autres, ce n'est pas une option, ça. Fait qu'on veut vraiment. On a un paquet de finissants qui sortent de chez nous. On veut qu'il y ait un bel avenir. On veut qu'ils soient fiers du choix qu'ils ont fait. Fait qu'on, c'est comme devenu une intention, mais aussi un besoin de s'engager dans des projets comme ça. Et ce n'est qu'un exemple. Je vais vous parler de l'incubation. L'incubation qui est aussi un mandat qu'on a donné au CISA, là, qui fait partie de l'équipe, mais qui est un bel exemple de projet institutionnel INAB. On va avoir nos premiers incubés cet été. On vient de faire un appel de candidature. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent soit déposer leur candidature ou si vous connaissez des gens qui auraient un projet où ils veulent augmenter leurs chances de succès, diminuer le risque financier au départ, on vous invite à déposer votre projet. En gros, l'incubation, c'est vraiment un projet d'incubation agricole. C'est vraiment pour un prix modique, là, pour un coût de location vraiment très peu cher. On offre aux incubés de s'installer chez nous. On a développé des parcelles, les travaux au champ sont, c'est-à-dire l'entreprise est prête à partir. Les travaux, le sol a été préparé, tout en bénéficiant de l'environnement particulier dont j'ai parlé avec 70 chercheurs passionnés qui ne sont pas loin et professionnels de services en conseil. Fait qu'on, avec des équipements prêtés, on crée un environnement un petit peu plus douillet que si l'entreprise se lançait dans le marché là, dès la première année. La raison pour laquelle on fait ça, c'est simple, c'est encore une fois pour favoriser la réussite de nos étudiants, d'être un milieu plus attractif,
pour nos étudiants, mais aussi pour le milieu, c'est qu'on se rendait compte que la marche entre le fait d'avoir fini son deck puis la vraie vie là, était très, très haute, très difficile à surmonter. Fait qu'on a, on crée comme une petite marche un petit peu plus facile à monter, de façon à ce que l'étape suivante soit plus simple. Je vous ai présenté le projet pilote pour cette année. On veut une entreprise, peut-être deux, là, si on reçoit vraiment des belles candidatures puis on réussit à le financer, on va y aller avec deux. Maintenant, à plus long terme, on voit qu'un projet de plus grande ampleur, on travaille avec des incubateurs en France, avec des incubateurs agricoles et agroalimentaires partout au Québec, de façon à faire émerger un réseau vraiment très performant pour faciliter le lancement des entreprises agricoles, mais aussi de transformation. Les marchés sont immenses. Partir une entreprise, c'est difficile, point, mais ça ne doit pas être trop difficile. Ça ne doit pas être plus difficile que ça doit l'être. Fait que c'est un petit peu à ce besoin-là qu'on vient répondre avec l'incubateur. Et évidemment, on va aider nos incubés à s'intégrer au réseau d'affaires régionaux, mais éventuellement dans leur région. C'est vraiment tout le temps dans le but de faciliter la réussite de nos étudiants puis des incubés. Donc, ça fait le tour de ma présentation. Vous avez peut-être des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Malheureusement, je ne pourrais pas rester là avec les conditions météorologiques. Je vais devoir quitter, mais je peux laisser l'arbi. Je vais laisser des dépliants qui sont une synthèse un petit peu de ce que je vous ai présenté, ainsi que mes cartes d'affaires. Ça fait que je vous invite à vous servir, puis contactez-moi, ça va me faire plaisir.